Je suis actuellement chef de projet en recherche innovation pour le groupe SEB en région lyonnaise. J'ai démarré mon parcours à l'UTBM par le tronc commun, au cours duquel j'ai eu l'occasion de partir en semestre d'études à l'étranger, en Suède, dans le cadre d'un programme Erasmus. Puis ensuite, j'ai intégré le département EDIM et la filière DIC. J'ai effectué mon ST40 chez PSA Peugeot Citroën à Vélizy, dans les aménagements intérieurs au centre de design. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir pour mon ST50 chez Airbus Hélicoptère à Marignane, également dans les aménagements intérieurs. La formation UTBM m'a apporté différentes choses, notamment en ce qui concerne le tronc commun, je dirais une certaine polyvalence à appréhender différents types de problématiques scientifiques et techniques qui impliquent des disciplines pour lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise, comme la chimie, l'électronique, l'informatique en ce qui me concerne. Puis ensuite, la formation EDIM m'a permis d'appréhender mon futur métier et notamment de créer le lien entre l'ingénieur, le designer et l'ergonome, qui sont des métiers pas forcément faciles à concilier au sein d'une entreprise. Et cette formation m'a également apporté le bagage nécessaire pour garantir par la suite une conception de produit centrée sur les besoins des utilisateurs avec créativité. Les trois mots que je retiendrai qui illustrent bien mon expérience à l'UTBM, ce seraient défi, découverte et rencontre.